Bonjour, je m'appelle Gwendal Rowe, j'ai 23 ans, je suis actuellement étudiant en Master Grande École en troisième année en alternance avec Celia Business School sur le site de La Rochelle. Je suis en parcours alternance et je suis chargé de recrutement chez Orange Cyberdéfense. En tant que recruteur, un étudiant donc en situation de handicap peut tout à fait aborder le sujet au cours de l'entretien ou même après, suivant le processus de recrutement. Il ne faut pas oublier que c'est un droit et non une obligation, donc c'est suivant les envies et aussi surtout les besoins de chacun. Alors comment réagissent les entreprises face à un candidat en situation de handicap? Il n'y a pas de réaction particulière à avoir. Faut pas oublier que nous, on est là pour combler un besoin dans l'entreprise et qu'on recherche des compétences avant de rechercher quelques autres aspects chez un candidat. Étant moi-même, donc personnellement, en situation de handicap, comment j'aborde les aménagements qui peuvent être proposés? En soi, si c'est vraiment une nécessité, ça sera un réel plaisir de sentir qu'on est considéré par l'entreprise, qu'elles font des efforts pour nous accueillir et nous intégrer au mieux dans leurs équipes et nous fournir des conditions de travail qui soient exactement les mêmes que tous nos autres collègues. RQTH, c'est la reconnaissance en tant que travailleur handicapé, donc elle permet donc à l'entreprise, déjà au candidat, de prouver qu'il est bien en situation de handicap vis-à-vis de l'entreprise, et ensuite ça permettra donc à l'entreprise de pouvoir réaliser divers aménagements, que ce soit en termes d'horaire, de logistique ou d'autres besoins suivant le candidat. Il ne faut pas oublier aussi que les entreprises donc, sont aidées par l'État, dont par la GFI. Et aussi, chaque entreprise se doit d'avoir un taux donc, de 6% de personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. Si l'entreprise ne respecte pas donc, ces 6% de personnes handicapées au sein des effectifs, donc, elle va se retrouver à payer donc une amende. Il y a quelques années en arrière, les entreprises préférer directement, on va dire, payer cette amende. Mais maintenant, les mentalités ont bien évolué et font en sorte d'intégrer au maximum des personnes en situation de handicap au sein de leurs effectifs. Pourquoi témoigner aujourd'hui? C'est voilà, pour pouvoir apporter une aide, on va dire, un soutien aux personnes qui sont dans la même situation que moi et qui osent peut-être pas forcément aborder cette question du handicap pendant un entretien ou au sein de l'entreprise. Moi, j'ai été beaucoup aidé donc, par le passé et je voudrais apporter ce coup de pouce à toutes les personnes qui en ont besoin.